ça, la séduction consiste pas que par cette musique, mais aussi l'autre subtilité. Le deuxième danger qui ouvre également les portes à l'œcuménisme, puisqu'ils veulent tous s'unir ensemble, toutes religions et dénominations confondues, que ce soit protestants, catholiques, évangéliques, etc. Ils se réunissent tous ensemble pour un concert, pour être dans la joie, dans l'adoration, tous ensemble, alors que bon, bah, ça c'est une tendance très œcuménique. Et c'est ça le danger, et nous vous en montrerons vraiment la preuve. Alors on va vous présenter un autre groupe justement français qui s'appelle Glorious, qui est très connu hein, dans le milieu évangélique, chrétien, mais aussi parmi les catholiques, puisque c'est un groupe catholique en fait à la base. Voilà, c'est un groupe catholique. Donc d'ailleurs, certaines compositions comme Louez-le et Nous dansons sont incluses dans J'aime l'Éternel, volume 4. Voilà. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie humainement parlant, s'est achevé dans l'échec de la croix. Nous vivons fondés en toi, nous serons affermis dans la foi, nous voyons se lever ton Église pour les nations. Il y a différentes façons de célébrer le Seigneur dans l'Église chrétienne. Il y a la manière traditionnelle,
mais ce vendredi soir, à Bissheim, c'était plutôt comme ça. En effet, à l'initiative des responsables des quatre communautés chrétiennes du Pays de Brisac, à savoir l'Église catholique, les paroisses protestantes, l'Église évangélique et la communauté ménonite, a été organisé ce vendredi soir au Hall des Sports de Bissheim un concert de louanges avec le groupe Glorious. Mais qu'est-ce qu'un concert de louanges ? Un concert de louanges, c'est simplement un concert en l'honneur de notre Dieu. Voilà, parce qu'on est unis par ce Dieu qui est notre Père, hein, qui est notre Père à tous, et c'est notre Dieu qui nous unit. Et donc on attend plus de 1000 personnes ce soir pour ce concert de l'ensemble des quatre communautés catholiques, protestantes, évangéliques de la région. On draine assez loin, hein, ça va jusqu'à Münster ou même Strasbourg, Wissembourg, des gens qui viennent d'assez loin pour être avec nous ce soir. Voilà. C'est donc un millier de personnes, pour la plupart des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont retrouvées pour cette célébration un peu spéciale. J'encadre un groupe de confirmants qui est là et on est venu avec toute notre paroisse. Là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Achevé dans l'échec. L'échec de la croix. C'est achevé dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Le signe de croix. Le signe de croix. Quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. Et moi. On aime tous le signe de croix. Ok, on refait ça encore une fois, les suites avec vous. Le signe de croix. Quand on le fait pour la première fois, on n'arrête plus de le faire, toi et moi. Et moi. On aime tous le signe de croix. Ok, attention, vous êtes prêts? Oh. En bas. On se déplace tous. À gauche. On se déplace, on se déplace. À droite. Ok, encore une fois. En haut. En bas.
droite. Allez, c'est à vous. Oh. Le signe de croix. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Vous savez que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, GH, c'est moi, hein, c'est oui, bien sûr. GH, quoi. Et puis, sort 666, c'est le diable. C'est 666, ouais. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais, pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. C'est un pied de nez à la mort. Jusqu'au bout de l'envie, de la musique que j'aime, Gabriel et Marie, ma gueule, et que je t'aime. Vous laisser allumer le feu, je te promets. Je suis né dans la rue et le pénitencier. Pour finir mon voyage au pays des vivants, écrire la dernière page d'une vie à 100%. Ça ne change pas un homme, alors là devant vous, moi, le fils de personne, je veux mourir debout.
Alors, nous vous présenterons aussi encore un autre groupe musical chrétien qui s'appelle Impact. C'est un groupe français. Une induction qui a été créée par Elisabeth Erickson, la femme de Milton Erickson. Une induction, une auto-induction pour aller dans cet état de transe, c'est-à-dire cet état intérieur, où on est proche des couches profondes de l'esprit, proche de notre inconscient. L'idée de base, c'est se laisser flotter à l'intérieur de soi. Et on va le faire grâce à une pleine perception, une spirale sensorielle, ce que je vois, j'entends et je sens. Alors, d'autres artistes chrétiens tels qu'ils sont rajoutés dans ce recueil, et j'aimerais brièvement vous parler de Darlene Suech, qui donc est considérée comme une grande star, hein, faut dire, dans le milieu évangélique. Malheureusement, une partie de ses compositions figure également dans le GEM. Et pourquoi je dis malheureusement ? Parce que je vous laisserai consulter. On ne peut pas, nous voulons pas rentrer dans les détails maintenant, mais ce n'est pas notre but. Pour ne citer que Hosanna, chant, c'est un très beau chant. Je l'ai chanté. Je l'aime bien d'ailleurs. Chant 893, Hosanna. Ô Jésus, mon Sauveur, chant 640 et à la croix. Je l'ai chanté d'ailleurs tous ces chants-là. Et voilà pourquoi elle, parce que elle a participé au rassemblement avec le pape. Hein. Tu as les vidéos pour ça, où elle chante avec d'autres chrétiens catholiques et mystiques, elle est très mystique, ouais. Et Hilton, ouais. Et donc Beth Church et voilà ceux qui vont sur les tombes aussi. Enfin bref, et donc elle s'est ralliée au pape, quoi, quelque part, parce que qu'est-ce qu'elle faisait là-bas d'ailleurs, on se demande. In grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but was blind, but now
Yeah, definitely wouldn't have agreed with absolute blasphemy. I walked out of there. I stopped attending Hillsong. But I don't think it was just that moment that caused me to leave that first time. No. Or was it? No, it may have been. It may have been. I walked out of there. This was when I was with my girlfriend, okay. I mean, we were sat there. Yeah, here we go, I'll tell you the story. we were sat there, near the front. Well, no. No, actually, it was in the middle. It was in the middle. Yeah.
a watch, and then say, more Lord. Whoa! More Lord. Everybody, place that anointing, that crown, that gift upon someone else's head. Keep praying. Every single one of you, impartation, legacy, 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 increase your glory. More Lord. Try it again, try it again, try it again, try it again. More Lord. Fire. There's fire. Place it on their heads. Find somebody. I think he's got it. Shake up, Baba. Fire. Place it on another one's head. Fire. Shh. Legacy. Legacy. The greatest thing you've ever seen in your life. Prophesy over them 10 times. Start to prophesy 10 times. More Lord. More Lord. More Lord. 10 times. Thank you.
help. Bro, he needs help. He can't control himself. Dude, you have to help. Bro, you have to control yourself. Seriously, bro, what's Jesus? You just couldn't control yourself 1 second ago. Bro, you can't control yourself. You can't have the spirit in you. You have a spirit in you, dude. The Holy Spirit. Look, he can't control himself. He has a demon. No, we're going to free this guy. Dude, he has a demon inside of him. Look, he has a demon inside of him. Bro, he has a Marilah kita selalu ketawa untuk diri, untuk orang lain, ketawa untuk keluarga, masyarakat, dunia, dan negara. Makanya apapun yang kita cari di dunia ini, kita menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Okay. बोलते
श्याम मनोहर बैठे Nous allons donc vous parler maintenant d'Ana Mendes, qui est une ancienne prêtresse vaudou, qui a collaboré avec Sylvain Frémont de Jeunesse en Mission pour la réalisation d'un CD Appel aux anges. Nous allons donc vous présenter un témoignage d'Ana Mendes, d'une personne qui témoignait d'elle, qui était présente à ces séminaires d'Ana Mendes. Voici le récit de Becky, qui a donc assisté à une conférence d'Ana Mendes. Je suis française vivant avec mon mari à l'étranger. Nous avons tous les deux 26 ans et sommes très engagés dans notre foi et notre désir est vraiment de servir notre merveilleux Jésus. Face à toutes ces séductions et ces abus dans le milieu chrétien, tiédeur spirituelle, évangile de prospérité, péché qui n'est plus dénoncé, musique chrétienne qui n'a plus rien de biblique, et j'en passe, mon mari et moi avions soif de Jésus, de vérité et de retour à l'Évangile. Nous avions soif d'entendre quelqu'un qui puisse finalement dire tout haut ce que nous clamions depuis longtemps, entre autres le retour à la sainteté et à notre premier amour. Cela m'a donc amené à assister à une conférence d'Ana Mendes Ferrell, Ministère Voice of Light, il y a 18 mois de cela. Cette conférence m'a fort impressionnée car elle n'avait rien à voir avec tout ce que je m'imaginais. Cette femme ancienne prêtresse vaudou s'est tournée vers l'Évangile et sa façon de prêcher avec autorité et radicalisme m'a fortement impressionnée. Petit à petit, je me suis laissée séduire et puis, en septembre de l'an passé, j'ai eu un rêve. C'est le seul rêve que le Seigneur m'ait donné. Et dans ce rêve, cette femme et son mari Emerson Ferrell étaient dépeints comme de faux prophètes. En fait, cet homme est son troisième époux. Elle a divorcé il y a 3 ans d'avec son précédent mari, Torquato Luca de Tena, pasteur de l'église New Anointing à Mexico. On le voit avec elle d'ailleurs sur la vidéo du soi-disant voyage d'intercession sur le toit du monde et d'après ce qu'on m'a dit, on l'aurait gommé de certaines vidéos maintenant qu'elle est remariée à Emerson Ferrell, lui-même également divorcé. Dans ce rêve, ils étaient de faux prophètes et utilisaient l'Évangile pour s'enrichir. Je me suis réveillée stupéfaite et complètement choquée. À ce moment-là, j'ai demandé au Seigneur de me révéler si ce rêve venait de lui. J'ai ouvert ma Bible et lu un passage sur les faux prophètes. Je ne savais plus quoi penser. Le Seigneur est bon et très patient. En tous les cas, il l'a été envers moi. Je m'étais déjà inscrite au bootcamp qu'elle avait prévu d'organiser en septembre aux Pays-Bas. Un bootcamp assez international, où d'ailleurs la femme de Bénihil aurait également dû venir prêcher. Mon mari n'avait pas envie d'y aller, sentant que quelque chose n'était pas clair. Mais j'ai réussi à le convaincre et nous y sommes allés. Pendant cette semaine de camp, dont le titre était « Le combat spirituel de haut niveau », Ana Mendes a évoqué des sujets dont je n'avais encore jamais entendu parler, notamment le mouvement de Soaking.
tout a commencé en douceur. Ana Mendez expliquait que tous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à la rencontre de Jésus et que nous n'avons pas à attendre que Jésus revienne pour le voir, mais que nous pouvons le voir bien avant. Que Jésus est impatient de faire notre rencontre et qu'il veut nous rencontrer en esprit. Tout cela nous a tous fortement réjouis, bien sûr, car tout chrétien désire rencontrer Jésus. Puis, une fois qu'elle nous avait tous dans sa main, les choses sont allées très très loin. Un après-midi, nous nous sommes tous retrouvés assis ou allongés, comme dans un cours de yoga, et elle a mis un CD de musique très mystique qu'elle a enregistré avec un groupe de musique prophétique. Il a alors fallu que chacun se concentre sur son ventre, car c'est là, disait-elle, que notre esprit est. Et en se concentrant, il fallait pousser, donner naissance à notre naissance spirituelle. Elle utilisait les références bibliques qui parlent de la naissance spirituelle, naître d'eau et d'esprit. Il y a eu, comme il faut s'y attendre, des manifestations telles que des contractions d'accouchement, des cris, mais aussi de longues périodes de silence, des pleurs, etc. Ensuite, après 2 heures de méditation, il a fallu revenir de notre voyage et le faire lentement, sinon nous aurions pu perdre toute notre énergie, disait-elle. Commença alors toute une série de témoignages. Les gens expliquaient comment ils étaient partis dans l'esprit, avaient rencontré Jésus, avaient vu des anges, etc. Le lendemain, c'était la grande bataille. Maintenant que les gens, une partie du moins, étaient nés de l'esprit, ils étaient donc capables de combattre dans l'esprit. Et l'élite, c'est-à-dire ceux qui avaient eu les plus belles expériences la veille, avaient le privilège de venir combattre avec Ana Mendez et son équipe pendant que les autres regarderaient en prière. Alors pendant 4 heures, Ana et son équipe sont allés, soi-disant en esprit, combattre toutes les forces du mal et la hiérarchie satanique établie sur les Pays-Bas. Tout d'abord, ils ont dû partir en esprit et aller devant le trône de Dieu chercher leurs armes. Puis, ils sont redescendus et ont rencontré les puissances, des démons, etc., qu'ils ont combattus. Si quelqu'un était blessé pendant la bataille, il fallait que cette personne se laisse transporter par les anges et que les anges le ramènent devant le trône de Dieu pour se faire soigner. Pendant cette réunion, j'étouffais. Je croyais être folle et être la seule qui pensait que tout ceci était une erreur monumentale. Mais en parlant aux gens et surtout à l'élite qui avait été choisie, on me disait qu'il fallait m'ouvrir, laisser le Saint-Esprit agir, etc. Bref, voici quelques mois, je suis pour la dernière fois allée à une conférence de 3 jours organisée par Ana Mendez et d'autres apôtres et prophètes qui travaillent sous la couverture spirituelle de Maurice Cerullo ou Peter Wagner, et là, ça a été la totale. Le Seigneur a vraiment ouvert mes yeux et j'ai pleuré. Par plusieurs messages, ces soi-disant apôtres et prophètes ont fait allusion à l'enlèvement de l'Église en se moquant, et surtout en se moquant de ceux qui attendaient le retour de Jésus. Pour quelle raison? Ils disaient que nous vivions dans les temps du royaume et que Dieu allait restituer toutes choses, qu'il allait se produire un réveil mondial, etc. En gros, que ceux qui attendaient le retour de Jésus n'avaient rien compris. Ana Mendez a également prêché, manipulant les gens pour acheter ses peintures, ses livres, sa musique et j'en passe. Puis elle a dit quelque chose qui m'a frappée. Alors qu'elle recommençait sa séance de concentration, elle disait aux gens que les véritables noces de l'agneau, c'était la rencontre de notre esprit avec celui du Seigneur et non après l'enlèvement. Donc, que si nous partions en esprit et que nous rencontrions le Seigneur, alors à ce moment-là, se passeraient les noces de l'agneau. Je pourrais écrire un roman de tout ce qui a été dit, enseigné, et toutes ces erreurs, ces mensonges, et cette manipulation. Un exemple de manipulation, c'est ce qu'elle dit sur les peintures. Si vous avez un tableau d'un peintre non chrétien chez vous, elle vous dit de parler au tableau pour qu'il se manifeste. Et les gens sont convaincus d'enlever leur tableau et de mettre, bien sûr, évidemment, ceux d'Ana Mendez à la place. Et elle raconte l'histoire de cette femme qui a acheté la reproduction du tableau avec l'aigle. L'aigle est sorti de la toile et venu dans le salon de la dame, s'est transformé en un aigle d'or et a emmené la dame au 3e ciel. Vous vous rendez compte? Et ça marchait! J'ai vu les gens se précipiter à acheter les posters.
$45 le premier prix et les reproductions sur toile 10 fois plus chères. Tout est parti, tout a été vendu. Mais le plus dur, c'est que beaucoup de choses dans ce que ces gens enseignent sont vraies, mais tout est mélangé. C'est un cocktail meurtrier. Il suffit d'une goutte de poison dans un verre d'eau pour que la personne soit contaminée et décède. De toute façon, les gens se détournent de cette femme. Je sais de sources sûres qu'elle veut gérer elle-même l'argent de Kate. Et bien qu'elle dise être contre la prospérité, je l'ai vue faire constamment des appels d'argent, dont le plus manipulateur a consisté à faire défiler les gens devant elle pour les offrandes avec Sainte-Seine, alors que les conférences coûtaient déjà 100 € par personne, 2 jours et demi. Pour 2 jours et demi, rien ne s'est passé à Rotterdam après le boucan. Pas de réveil, pas d'âme convertie malgré ce combat spirituel contre les principautés de la ville. Ou plutôt, ce qui s'est passé, c'est la dépendance à Anna Mendes. Il faut plus de livres, plus de CD, plus de DVD, plus d'Anna Mendes. Qui veut revenir pour délivrer maintenant Amsterdam de la prostitution? Les gens sont affectivement très attachés à Anna Mendes, comme si ses révélations étaient comme une drogue. Il y a quelques semaines, une amie me demande si je sais ce que le terme Shoakim voulait dire. Car, me disait-elle, il y a toutes sortes de centres qui ouvrent et qui sont spécialisés dans ce domaine. Elle m'explique alors qu'il s'agissait de cours pour les gens qui voulaient être rafraîchis dans l'esprit. La méthode, s'allonger sur un tapis ou à même le sol, écouter de la musique en se concentrant sur Jésus et attendre que le Saint-Esprit se manifeste. À chaque fois, me disait-elle, le Saint-Esprit vient et les manifestations sont au rendez-vous. J'ai immédiatement su que cela était une séduction pure et dure. Je suis allée faire des recherches et effectivement, ce nouveau concept nous vient tout droit de Toronto. La nouvelle mode aux Pays-Bas et dans bien des pays est de dire « Let's go soaking ». Cela signifie donc de recevoir. Recevoir, avoir des manifestations. Alors que la Bible nous enseigne que nous sommes créés pour adorer et nous sommes censés rendre un culte d'adoration et de louange à Jésus et non aller étendu sur le sol, chercher à tout prix à être touché physiquement par le Saint-Esprit afin de sentir une manifestation quelconque. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais que Dieu vous bénisse.
un premier festival de louanges porté par toutes les églises d'Yverdon. Le festival Festive Louanges, lancé par les églises catholiques, réformées et évangéliques d'Yverdon-les-Bains, va enflammer les rues, les salles et les églises de la ville du 20 au 27 septembre 2019. Pendant une semaine, les amateurs de louanges de toute tradition chrétienne confondue devraient pouvoir trouver leur bonheur. Du groupe Pop Glorious à la fanfare de l'armée du salut, en passant par un concert d'orgue et des louanges au rythme de Thésée, le festival Festive Louanges est le fruit d'une collaboration entre les églises chrétiennes de la ville d'Yverdon-les-Bains. Le but, une semaine pour faire découvrir le renouveau de la louange telle qu'il se vit parmi la jeunesse chrétienne romande au grand public, y compris des personnes distancées des églises. Ce projet est né dans la tête de Rolf Schneider, qui avait un rêve, explique Sylvie Walter, représentante de l'Église catholique au sein du comité d'organisation, celui de consacrer une quête de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens afin d'initier un projet concret, un festival pour rassembler tous les chrétiens. Les églises travaillent ensemble. L'idée de cet artiste engagé dans le mouvement Jeunesse en Mission a séduit les différentes communautés yverdonoises liées à la pastive pastorale œcuménique d'Yverdon qui n'ont pas hésité à lui donner leur feu vert. 9 000 francs suisses ont ainsi été récoltés durant les quêtes 2018 et 2019 des semaines pour l'unité. Festive louange, quand les églises d'Yverdon travaillent ensemble, c'est dans l'esprit de ce credo que travaille le directeur du festival Rolf Schneider, soutenu par un comité d'organisation d'une dizaine de personnes représentant les églises d'Yverdon, dont 4 pour l'église catholique. Redécouvrir la louange. La louange est avant tout un charisme des communautés évangéliques, relève Sylvie Walter, membre de l'équipe pastorale catholique d'Yverdon. Avec ce festival, nous espérons qu'elle soit redécouverte par les autres chrétiens, notamment dans notre église catholique. Beaucoup de paroissiens ne réalisent pas que la louange fait partie chaque dimanche de l'Eucharistie. À quelques jours du lancement de Festive Louange, le programme présente 15 groupes ou artistes sur 8 jours dans 7 lieux différents au cœur d'Yverdon-les-Bains. Des artistes de 7 à plus de 7 ans interprètent 9 styles de musique divers et variés, temps fort, la célébration œcuménique du dimanche 22 septembre à la salle de la Marne. De la Marive, avec plus de 1000 participants attendus. Le bon fonctionnement de toute la semaine est assuré par une quarantaine de bénévoles. Budget et bilan. Le budget du festival pour l'année 2019 s'élève à 35 000 francs suisses. Une partie conséquente de cette somme est prévue pour la communication, la charte graphique, les flyers, le site internet et d'autres visuels. Un peu moins des 2/3 pour les charges liées aux 13 événements du festival, groupes, salles, etc. Le reste comprend les frais administratifs, la billetterie et la restauration des équipes bénévoles. Si les frais sont couverts et que le public répond présent, l'aventure se poursuivra nécessairement, mais nous attendons le moment du bilan pour fixer la date d'un prochain festival, conclut Sylvie Walter, catch.ch. /gr. Quand Jésus s'invite au festival, il semblerait que la tendance est le vent en poupe dans l'Église. Les festivals chrétiens se multiplient. En Suisse romande, en Belgique et en France, petits ou ambitieux, leur objectif reste identique. Vibrer pour la musique et Dieu. Alors, un petit tour dans quoi ? Dans le festival. Foi en mode, les jeunes bougent l'église. Festival, concert de pop louange, soirée d'animation. Les jeunes catholiques chahutent l'église et se l'approprient en mode, sans toucher au fondement de la foi. Ils évangélisent à leur manière et en allant vers les autres. Ils n'ont pas...
porte au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie. Wouhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Comme tu as fait ta demeure dans le sein de la Vierge Marie, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Que mon âme te bénisse sans cesse, Seigneur. Vivre ce chant avec Marie, elle qui se réjouissait toujours sous le regard du Père, elle qui a vécu toute sa vie sous le regard du Père, elle dont Jésus était le bien-aimé de son âme. Donne-nous cette même joie de chanter, Seigneur. Donne-nous cette même joie à nous réjouir en toi, à nous réjouir en toi, Jésus, parce que nous nous réjouissons avec Marie, en elle et par elle. Oui, viens Vierge Marie, prions. Que chacun puisse bénir, que chacun puisse faire monter son Magnificat auprès du Seigneur, comme la Vierge Marie, poussée par l'Esprit, elle a prié le Magnificat. Que ton âme bénisse le Seigneur en cet instant. Laisse monter la louange de ton cœur. Consolation que tu leur donnes par Marie, par cette année de miséricorde. Oui, tous ceux qui vivent cette détresse intérieure, mettez votre main sur votre cœur et laissez-vous porter par le chant, laissez-vous porter par la prière de vos frères et sœurs qui chantent avec foi pour vous. Mère, merci parce que Marie te chante comme jamais, toute unie à son Fils. Et Seigneur, nous espérons en elle t'offrir la louange qui te revient, Seigneur. Merci pour la gratuité de la louange de la Vierge Marie. Seigneur, que cette louange monte de nos cœurs vers toi, de nos cœurs dans la joie, de nos cœurs dans la tristesse, de nos cœurs qui se sentent forts, qui se sentent si faibles. Seigneur, nous voulons rentrer dans la gratuité de cette louange du cœur de Marie. Seigneur, nous espérons en toi. Là où tu es, tu peux fermer les yeux en cet instant et laisser l'Esprit de Dieu prier en toi, comme l'Esprit de Dieu a prié dans le sein de la Vierge Marie. Laisse-toi visiter par lui. Laisse-toi habiter par sa présence. Là où tu es, tu peux tout simplement ouvrir tes mains en cet instant
et dire au Seigneur, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Ouvrons nos mains, ouvrons les portes de notre cœur en cette année de la miséricorde pour vivre cette expérience de la miséricorde de Dieu comme Marie. Là où tu es, tu peux ouvrir tes mains pour dire au Seigneur, j'accueille ta miséricorde aujourd'hui comme Marie. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful, acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, he would share his own anguish for what God saw happening to his church and to his people. And he would find a praying man and he would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. But this was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern, and then let it die. He said, no, I broke down, and I wept, and I mourned, and I fasted. And then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping. Not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all? That God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land
closer than that? Does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that begins to interest you. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I'm going to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin that drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God. I know now. Oh my God, do I know it. Until I'm in agony. Until I have been anguished over it. And all our projects, all our ministries, everything we do. Where are the Sunday school teachers that weep over kids they know are not hearing and they're going to hell? You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing his heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. The Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's somebody to get this altar and confess. I am not what I was. I am not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. I didn't want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house there is. Absolutely nothing physical can give you joy. It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. Build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire.